à prison à perpétuité. Et c'était plaidé coupable pour au moins à deux chefs d'accusation. Premier, c'est que son complot pour tuer ou bien pour kidnapper un monde. Deuxième, là, c'est que monsieur était d'accord que l'été bail soutien matériel et soutien matériel pour le bail là, c'est résulté dans la mort du monde et monsieur était d'accord avec tout ça. Yo. Donc, on a qui ça a fait, on a fait ça, ça a eu des investigations et pré-sentence, comme si là, avant sentence, là, on fait une investigation côté que mon qui a bail positif pour monsieur Yodili, mon qui a bail négatif pour monsieur Yodili, département correction, compiler tout document, tout bail, ça, on a un document, on voit un document, bail juge là. Juge la garde tout ça positif sur monsieur, tout ça négatif, et puis juge la, bah, sentence li, li dit que monsieur a fait regresse vivre en prison. Il y a des gens qui toujours contente de ça qu'on a parlé, le fait qu'il y a un monde condamné et l'autre bois, mais il y a des collaborations l'hypothèse, et puis il y a réduit peine. Pour ton petit précision sur ça, pour nous, prison à vie. Des fois, qui ça qu'on arrive, c'est que le ou collaborer et que collaboration, je trouve que collaboration pour tant pis valeur à gouvernement lui-même, il contient des recommandations, côté le dit. Ok, me recommande 10 ans, 15 ans, et juge la lui-même n'est pas obligé de respecter les recommandations du gouvernement. Mais dans le cadre ou dans le genre, il y a deux facteurs pour moi qui sont importants. Premièrement, son président de la République qui mourit. Donc même si vous collaborez, quand même un signal clair pour le voir, pour que moi ne pas prendre l'habitude à tuer le président comme ça. Et deuxième là-dedans, il y a des gens qui connaissent des idiots, qui ont participé non pas, ils ok, moi recommande 10 ans, 15 ans, et juge la lui-même n'est pas obligé de respecter les recommandations du gouvernement. Mais dans le cadre ou dans le genre, il y a deux facteurs pour moi qui sont importants. Premièrement, son président de la République qui mourit. Donc même si vous collaborez, quand même un signal clair pour le voir, pour que moi ne pas prendre l'habitude à tuer le président comme ça. Et deuxième, il y a des gens qui connaissent des idiots, ils ont participé non pas, ils ne comprennent pas, et ils sont capables de connaître qui est-ce qui est derrière les bagages là. À ce moment, même là où il y a disposition pour collaborer, ou capable de collaborer, oui, parce que Kamando qui est-ce qui était chef comme si derrière bah là ou tellement sont ou même ou juste participer dans bah là sans qu'on pas connaître qui sont rentrés que finalement l'onchita avec autorité yo, ou bah information qu'on gagne pas avancer enquête là donc collaboration là vient pas représenter grand chose pour le gouvernement et me passer dans quand monsieur ces deux facteurs ça yo, joue un rôle important dans le fait que les condamné à vie et dans le cas d'affaire ça. C'est juge José Martinez et il n'y a pas vraiment attendu M. Jodi parce que M. plaide coupable déjà. Jodi a qui ça a été gagné pour faire, juge a été gagné pour bail sentence. Li, évidemment, leur bail sentence, ils font un tando, ils font un palais, ils parlent, ils se mettent au mort. Mais pour le moment, ça me connaît, c'est que ils ont condamné M. à prison à vie aux États-Unis. Vraiment, mais quand même, la prison à vie reste la prison à vie. Quand un juge floridien décide de condamner une personne à vie, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'interjeter appel, par exemple? Généralement, lorsqu'on interjette appel, on le fait sur la base d'abus. Est-ce que le juge a abusé de son pouvoir, etc. Ben, dans ce cas, c'est très difficile de se prévaloir d'un tel argument. C'était le juge José Martinez qui a pris son temps, qui a écouté les parties. Et je ne pense pas que ce soit une démarche valable. Dans le cas de Monsieur Jean, il a plaidé coupable. Et il y a eu ce qu'on appelle le pre-sentencing investigation. C'est une investigation qu'on fait durant laquelle on demande à des gens de se prononcer sur son cas. Des gens soumettre des documents favorables. Des gens ont soumis aussi des documents défavorables. Et sur la base de cette investigation, le juge a tout lu et il a écouté les recommandations du gouvernement aussi, les recommandations de l'avocat de l'accusé. Et le juge a prononcé la sentence et je ne m'attends pas à qu'il interjette appel. Frédéric Denis Julien, c'est que Rodolphe Jean fait partie d'une liste d'accusés dans le cadre de cette enquête. Ils sont 11 au total. Quand est-ce qu'est prévue l'audition des 10 autres accusés? Bon, moi, ce que je pense dans l'affaire Jovenel Moïse, je doute fort qu'on ait des procès dans le cadre de cette affaire. Je pense que tout le monde va être coupable, à moins d'être fou. Et je pense que tout le monde va appeler les coupables progressivement, à moins que ce soit quelqu'un qui a été victime d'une injustice, qui ne faisait pas partie du complot. Et je pense que tout le monde va écoper de sentences similaires à celles de M. Jean. Jusqu'où peut-on considérer cette décision de justice comme étant un signal? Bon, moi je pense que c'est un signal très faible. Nous savons tous qu'il doit y avoir des gens et d'autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire
Et si les États-Unis veulent envoyer un signal, qu'ils envoient un signal clair que l'on continue à inculper les autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Moi, je n'ai jamais été un fan de M. Moïse, mais c'était le président d'Haïti. On ne peut pas assassiner le président d'un pays impunément. Donc, je pense que s'il y a un signal à envoyer, les États-Unis doivent vraiment, et ils ont commandité des enquêtes, il y a des enquêtes, on a des informations aux États-Unis sur des gens qui apparemment ont été impliqués dans cette affaire et qui n'ont jamais été inquiétés. S'ils vont envoyer un signal, qu'ils envoient un signal clair, moi je pense que ces gens-là, ce sont des comparses. Ce ne sont pas ceux qui sont vraiment derrière l'affaire. On est en train de punir les comparses, les complices. Moi, je pense qu'il faut punir les vrais responsables. Est-ce que, selon vous, Rudolf Jarre a écopé cette peine parce qu'il n'a pas suffisamment coopéré avec les autorités judiciaires de la Floride? Est-ce qu'on peut dire ainsi parce qu'il avait plaidé coupable? Oui, alors il y a une petite nuance dans cette question. Des fois, on plaide coupable, mais on n'est pas en position de coopérer. Question. Des fois, on plaide coupable, mais on n'est pas en position de coopérer. Parce qu'il y a des gens qui sont des idiots, qui participent à des trucs de ce genre et qui ne sont même pas en mesure de coopérer parce qu'ils ne connaissent pas les vrais responsables, ils ne disposent pas d'assez d'informations pour que leur coopération soit significative. Et je pense que c'est ce qui arrive. C'est mon opinion. Je pense que c'est peut-être ce qui est arrivé à ce genre. Mais aussi, il y a le fait que c'est un président de la République qui a été assassiné. Donc, même quand on coopère, il est très, très difficile d'écoper d'une sentence ridicule du genre 15 ans, 10 ans de prison. Parce que quand même, même si on ne sent pas, mon opinion, c'est que les États-Unis ne sont pas en train de faire ce qu'ils auraient pu faire pour avoir un signal fort dans le cadre de cet assassinat. Mais quand même, on ne peut pas traiter ça comme si c'était un quidam qui avait été assassiné. Donc à partir de cette sanction, on ne devrait pas apprendre davantage sur ce qui s'est passé dans la mort du président? Non, ça ne va pas nous avancer. La sentence, d'ailleurs, c'est un document très court et dans lequel on a spécifié les détails de la sentence. Mais on a dit aussi que le 21 août 2023, il y aura une audience au cours de laquelle le juge déterminera le montant de restitution. Parce que dans ce genre de cas, il faut établir un montant de restitution. On doit restituer $1 million ou bien $500 000, je ne sais pas ce que ça va être. Et cette audience est fixée au 21 août 2023 à 11h30. Et ensuite, ses avocats ont demandé aussi qu'il soit gardé dans un centre carcéral du sud de la Floride pour qu'il soit un peu plus près de sa famille. Et je pense que c'est un vœu qu'on va lui accorder. En prison à perpétuité. C'était plus des fois pour moi à deux chefs d'accusation. Le premier, c'est que son complot pour tuer ou bien pour kidnapper un monde. Deuxième, là, c'est que je suis d'accord que le débat est soutien matériel et soutien matériel que le débat là, c'est résulté dans la mort du monde et je suis d'accord avec tout ça. Yo. Donc, on a qui ça a fait, on a fait ça, ça a eu des investigations et pré-sentence, comme si là, avant sentence, là, on fait une investigation côté que mon qui a un positif pour monsieur Yodili, mon qui a un négatif pour monsieur Yodili, département de correction, compiler tout document, tout bail, ça, on a un document, on voit un document, bail juge là, juge là, garder tout ça positif sur monsieur, tout ça négatif, et puis juge là, bail sentence, il dit que monsieur a fait une résolution dans la prison. Il y a des gens qui ont toujours entendu ça qu'on a parlé, le fait qu'il y ait un monde condamné et l'autre bois, mais il y a des collaborations, l'hypothèse, et puis il y aurait dû peine. Pour ton petit précision sur ça, pour nous, prison à vie. Des fois, qui ça qu'on arrive, c'est que le ou collaborer et que collaboration, je trouve que collaboration pour tant pis valeur à gouvernement, gouvernement lui-même, il conseille des recommandations, quand il dit, ok, vous recommandez 10 ans, 15 ans, et juge là, lui-même, il n'est pas obligé de respecter recommandations gouvernement. Mais dans le cadre ou dans le genre, il y a deux facteurs pour moi qui sont importants. Premièrement, son président de la République qui mourit. Donc, même si vous collaborez, quand même, un signal clair pour le voir, pour que moi, je ne prenne pas l'habitude à tuer le président comme ça. Et deuxième, là, tout, il y a des gens qui connaissent des idiots, qui participent non pas, qui ok, vous recommandez 10 ans, 15 ans, et juge là, lui-même, il n'est pas obligé de respecter les recommandations du gouvernement. Mais dans le cadre ou dans le genre, il y
gen de facteur pou mwen ki important. Premièrement, son président de la République qui mourit. Donc, même si ou collaborer, quand même, gon signal clair pour le voir, pour que moi pas prenne habitude à tuer président comme ça. Et deuxième, là, tout, ou gen des monde qui connaissent des idiots, yo participe non ba, yo pas comprendre, et yo capable même connaître qui est-ce qui derrière bagay là. À ce moment, même là, ou gen disposition pour collaborer, ou capable de collaborer, oui, parce que yo capable qui est-ce qui était chef comme si derrière bagay là, ou tellement sorte, ou même ou juste participer non ba, là, sans qu'on pas connaître qui sont rentrés, que finalement, l'offre avec autorité, yo, ou ba information qu'on gagne, information qu'on gagne, pas avancer enquête là. Donc, collaboration là, vient pas représenter grand chose pour le gouvernement. Et on passe dans le cas, ces deux facteurs, ça joue un rôle important dans le fait que les condamnés à vie et dans le cas d'affaires, ça. C'est juge José Martinez. Et il n'y a pas vraiment attendu M. Jodi, parce que M. plaide coupable déjà. Jodi a qui ça a été gagné pour le faire. Juge a été gagné pour la sentence. Évidemment, leur la sentence, ils font un tando, ils font un palais, ou palais, ou est-ce que mes mort. Mais pour le moment, ça me connaît, c'est que ils ont condamné M. à prison à vie aux États-Unis. Mais quand même, la prison à vie reste la prison à vie. Quand un juge floridien décide de condamner une personne à vie, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'interjeter appel, par exemple? Généralement, lorsqu'on interjette appel, on le fait sur la base d'abus. Est-ce que le juge a abusé de son pouvoir, etc. Mais dans ce cas, c'est très difficile de se prévaloir d'un tel argument. C'est le juge José Martinez qui a pris son temps, qui a écouté les parties. Et je ne pense pas que ce soit une démarche valable. Dans le cas de Monsieur Jean, il a plaidé coupable. Et il y a eu ce qu'on appelle le pre-sentencing investigation. C'est une investigation qu'on fait durant laquelle on demande à des gens de se prononcer sur son cas. Des gens soumettre des documents favorables. Des gens ont soumis aussi des documents défavorables. Et sur la base de cette investigation, le juge a tout lu et il a écouté les recommandations du gouvernement aussi, les recommandations de l'avocat de l'accusé. Et le juge a prononcé la sentence et je ne m'attends pas à qu'il interjette appel. Frédéric Denis Julien, c'est que Rodolphe Jean fait partie d'une liste d'accusés dans le cadre de cette enquête. Ils sont 11 au total. Quand est-ce qu'est prévue l'audition des 10 autres accusés? Bon, moi, ce que je pense dans l'affaire Jovenel Moïse, je doute fort qu'on ait des procès dans le cadre de cette affaire. Je pense que tout le monde va être coupable, à moins d'être fou. Et je pense que tout le monde va appeler les coupables progressivement, à moins que ce soit quelqu'un qui a été victime d'une injustice, qui ne faisait pas partie du complot. Et je pense que tout le monde va écoper de sentences similaires à celle de M. Jean. Jusqu'où peut-on considérer cette décision de justice comme étant un signal? Bon, moi je pense que c'est un signal très faible. Nous savons tous qu'il doit y avoir des gens et d'autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Et si les États-Unis veulent envoyer un signal, qu'ils envoient un signal clair, que l'on continue à inculper les autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Moi, j'ai jamais été un fan de M. Moïse, mais c'était le président d'Haïti. On ne peut pas assassiner le président d'un pays impunément. Donc, je pense que s'il y a un signal à envoyer, les États-Unis doivent vraiment, et ils ont commandité des enquêtes, il y a des enquêtes, on a des informations aux États-Unis sur des gens qui apparemment ont été impliqués dans cette affaire et qui n'ont jamais été inquiétés. S'ils vont envoyer un signal, qu'ils envoient un signal clair, moi je pense que ces gens-là, ce sont des comparses. Ce ne sont pas ceux qui sont vraiment derrière l'affaire. On est en train de punir les comparses, les complices. Moi, je pense qu'il faut punir les vrais responsables. Est-ce que, selon vous, Rudolf Jarre a écopé cette peine parce qu'il n'a pas suffisamment coopéré avec les autorités judiciaires de la Floride? Est-ce qu'on peut dire ainsi parce qu'il avait plaidé coupable? Oui, alors il y a une petite nuance dans cette question. Des fois, on plaide coupable, mais on n'est pas en position de coopérer. Question. Des fois, on plaide coupable, mais on n'est pas en position de coopérer. Parce qu'il y a des gens qui sont des idiots, qui participent à des trucs de ce genre et qui ne sont même pas en mesure de coopérer parce qu'ils ne connaissent pas les vrais responsables, ils ne disposent pas d'assez d'informations pour que leur coopération soit significative.
Et je pense que c'est ce qui est arrivé. C'est mon opinion. Je pense que c'est peut-être ce qui est arrivé à M. Jarre. Mais aussi, il y a le fait que c'est un président de la République qui a été assassiné. Donc, même quand on coopère, il est très, très difficile d'écoper d'une sentence ridicule du genre 15 ans, 10 ans de prison. Parce que quand même, même si on ne sent pas, mon opinion, c'est que les États-Unis ne sont pas en train de faire ce qu'ils auraient pu faire pour avoir un signal fort dans le cadre de cet assassinat. Mais quand même, on ne peut pas traiter ça comme si c'était un quidam qui avait été assassiné. Donc à partir de cette sanction, on ne devrait pas apprendre davantage sur ce qui s'est passé dans la mort du président? Non, ça ne va pas nous avancer. La sentence, d'ailleurs, c'est un document très court et dans lequel on a spécifié les détails de la sentence. Mais on a dit aussi que le 21 août 2023, il y aura une audience au cours de laquelle le juge déterminera le montant de restitution. Parce que dans ce genre de cas, il faut établir un montant de restitution. On doit restituer $1 million ou bien $500 000, je ne sais pas ce que ça va être. Et cette audience est fixée au 21 août 2023 à 11h30. Et ensuite, ses avocats ont demandé aussi qu'il soit gardé dans un centre carcéral du sud de la Floride pour qu'il soit un peu plus près de sa famille. Et je pense que c'est un vœu qu'on va lui accorder.